Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Nos invités de la matinée, on a l'équipe de Campus France et de l'ambassade de France avec nous ce matin. On a monsieur Karsmif Mundunga qui est conseiller Campus France et monsieur Anish Chekili qui est chargé des missions à l'ambassade de France. Monsieur Mundunga, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment vous allez ce matin? Je vais très bien, merci. Qu'est-ce qui se trame du côté de Campus France? Ben, rien de méchant. Hein. Bien, c'est clair. Au contraire, toujours ce qu'il faut pour accompagner nos élèves et étudiants pour leurs études en France. Il y a quoi? Il y a de nouveautés? Il y a des informations qu'il faut ajouter? Non, en termes de nouveautés, c'est juste la continuité de notre campagne de communication. D'accord. Les inscriptions ayant commencé depuis le 1er octobre 2021. D'accord. Nous sommes dans la continuité pour simplement dire à nos élèves, étudiants et professionnels qui souhaitent poursuivre leurs études en France que les inscriptions pour les premières années s'arrêtent le 15 décembre. Le 15 décembre. Le 15 décembre. Les inscriptions sont en ligne? Oui, toute la procédure se fait en ligne. Elle est dématérialisée. Sauf pour payer. Si, le paiement aussi se fait en ligne. D'accord, bien sûr. Okay. Ok. Comment se sont passés les webinaires? Vous avez organisé les webinaires? Oui, on a organisé le salon des études en France. Donc, c'était la deuxième édition. Ça s'est très bien passé. Donc, on a eu encore un peu plus de candidats par rapport à la première édition pour le salon qui s'est déroulé l'année dernière. D'accord, ok. Mais la procédure, vous pouvez nous la rappeler rapidement? Oui, comme je disais tantôt, pour les étudiants qui vont postuler, les élèves qui vont postuler pour les premières années, ils ont jusqu'au 15 décembre. D'accord, 2021. Ça veut dire que ceux qui font le bac cette année. Ceux qui font le bac cette année. Pour aller en première année d'université en France. En France. Dépasser le 15 décembre, ils ne pourront plus candidater pour une université française publique. Et le dossier est constitué de quoi? Ben, le dossier, ce sont les bulletins de seconde, les bulletins de première, parce qu'actuellement, les bulletins de terminale ne seront pas encore disponibles au 15 décembre. Tout à fait. Donc, les bulletins de seconde, les bulletins de première, une demi-carte photo, une pièce d'identité, un CV. D'accord, ça c'est cool ça. Voilà, donc c'est ça. Les frais de dossier sont à 80 000 francs. Non remboursables. Non remboursables, parce que si vous êtes accepté par un établissement français, quand vous allez en France, ben voilà. Ouais. C'est ça, donc c'est non remboursable. D'accord, vous êtes accompagné de M. Anis Chekili qui est chargé de mission à l'ambassade de France. Monsieur Chekili, bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour René. Bonjour. Merci pour l'invitation. Vous vous êtes entraîné pour nous dire bonjour. Ah ça. Voilà, merci Fallon. Alors, vous organisez la semaine de la fête de la science. Exactement, oui. C'est quoi exactement? Alors, la fête de la science est une grande manifestation qui vise à rapprocher le public de la science. D'accord. À briser le pont entre scientifiques et citoyens et à vulgariser aussi donc, la science, la recherche et l'innovation. Quand on parle de science, quelles sont les disciplines qui rentrent en compte? Toutes les disciplines sont prises en compte. Il y a la biologie, il y a l'astrologie, l'astronomie, la médecine. Voilà, donc c'est vraiment tout ce qui est science, on va dire plutôt technique, avec des outils, avec de la réflexion. C'est vraiment la découverte de tout ce qui était obscur. Voilà. Et qu'est-ce qui va se faire concrètement pour briser ce pont? Alors, pour briser ce pont... Parce que d'après vous, pour vous, il y a un côté les citoyens côté et l'autre obscur. Les scientifiques. Bien sûr. Souvent, vous savez, les scientifiques, voilà, ils parlent, ils utilisent beaucoup de termes. C'est les pas forcément chiffres. Les chiffres, c'est pas forcément compréhensible. On l'a vu notamment avec la pandémie de Covid, où on n'a pas compris tout ce qui se passait avec tous ces termes. Tout le monde était devenu expert d'un coup. Là, c'est l'occasion, justement... l'occasion est donnée aux scientifiques justement de vulgariser cette science en expliquant avec des mots simples, concrets ou avec des illustrations tout ce qui se fait, quels sont le genre de machines qu'on utilise, les résultats qu'on a découverts. Voilà, donc il y a vraiment plein de choses sur toutes ces formes. Les résultats que vous avez découverts par rapport à quoi? Alors, c'est pas moi qui ai découvert les résultats, Les scientifiques. Okay. Et donc, justement, pour cette 30e édition, parce que c'est les 30 ans de la fête de la science, donc qui se déroule du 5 novembre jusqu'au 20 novembre, donc jusque samedi prochain, il y a toute une série d'expositions qui est prévue donc à l'Institut français, également au lycée Blaise Pascal. Il y a des expositions sur notamment un numéro qui s'appelle « Vue d'Afrique » qui vise à vulgariser donc l'innovation et la recherche scientifique qui se fait en Afrique
par des Africains. Donc ce numéro a été réalisé donc, par des journalistes et des vidéastes africains, dont le Gabon a été représenté par M. Boursier Tshibinda, qui a contribué sur plusieurs choses, dont deux enquêtes et trois reportages. Les deux enquêtes portent sur... Donc, la première, c'est comment reverdir l'Afrique suite à la déforestation des forêts, du coup. Et quelle est l'utilisation des... Enfin, qu'est-ce qu'on fait des données satellitaires? À quoi elles nous servent? Parce que... Voilà, donc on peut découvrir à quoi elles servent, comment elles peuvent aider les scientifiques ou même les citoyens à découvrir le pays, à identifier des projets ou des zones à exploiter ou des zones vides. Mmh. Voilà, donc on a cette partie-là. On a également une autre exposition qui s'appelle Science Machina. Uh-huh. Et donc là, c'est plutôt la relation entre l'homme et la machine. C'est présenté sous forme de BD, donc c'est très ludique, c'est très explicatif, super intéressant. On apprend notamment comment est-ce qu'on fait une opération à l'intérieur d'une oreille. C'est très, très bien présenté. On a également une série de reportages, l'un qui porte sur l'agronomie, l'autre sur l'astrologie, et le troisième m'échappe, mais il me semble que c'est sur le marin, enfin tout ce qui concerne la mer. Voilà, donc tout ça est à découvrir évidemment à l'Institut français. La BD va être expliquée toujours avec des termes scientifiques ou ça va être un peu plus simplifié? C'est beaucoup plus simplifié. Donc d'accord. On a d'abord un cadre qui résume concrètement la mécanique, donc ce qu'on a découvert, telle machine a été utilisée pour découvrir telle chose, et ensuite... À côté, on a une BD explicative où on voit donc des illustrations, des personnages avec les petites bulles. Et c'est, voilà, même les enfants pourraient comprendre, les adultes pourraient comprendre. Moi-même, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, je vous invite à venir. D'accord, il y aura des scientifiques qui seront là pour nous expliquer les choses simplement. Exactement. Ils ne vont plus nous dire leur fameuse phrase « Non, c'est trop compliqué, vous ne pouvez pas comprendre ». Exactement, et c'est bien que tu soulèves ce point d'Afrèche, car on a également fait venir une paléo-anthropologue du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Elle fait quoi, une paléanthropologue? Justement, elle vient dispenser une conférence sur l'influence des crises climatiques sur le peuplement humain, donc sur la Terre. Et elle a également fait hier une conférence au Musée National de Libreville sur l'Afrique et les origines de l'humanité. Parce qu'il faut savoir que toutes les origines de l'humanité mènent à l'Afrique. Vénéru, tu savais ça? Oui. Donc, en tout cas, ce sera l'occasion de venir découvrir. La conférence est vendredi à 17h. Oui. C'est gratuit. Il y aura une paléo-anthropologue. Ce sera l'occasion de poser toutes les questions. Voilà, elle est vraiment là pour. Et les documentaires sont diffusés aussi à l'Institut français? Bien sûr, en salle d'exposition. Donc on a prévu la salle d'exposition, la mezzanine et la salle 400. D'accord, ok. Monsieur Karsmif, on a fait le tour de la question Campus France, donc, sauf s'il y a d'autres informations à ajouter avant qu'on se sépare. D'accord, donc juste rappeler à notre cible, donc les élèves, les étudiants et les professionnels, que pour leur donner un peu plus d'informations, ils peuvent venir à l'Institut français, car on a mis en place un point d'information. Vous savez, avec la pandémie, on a fait quasiment 2 ans sans recevoir du public. Donc, c'était un peu compliqué pour les personnes qui voulaient postuler pour les études en France. Donc là, on a mis à cet effet un point d'information à l'Institut français et les étudiants peuvent venir poser les questions qu'ils souhaitent. Aussi, pour terminer, on a organisé une série de conférences justement pour édifier un peu plus notre public cible. Et là, il en reste 3 avant la fin de la... avant la fin de la campagne. Donc, la prochaine, c'est le 30 novembre. Le 23 novembre d'abord et le 7 décembre pour les conférences tout public, donc pour édifier tout le monde. Et ensuite, il y aura une dernière conférence sur les baccalauréats littéraires, économiques et tertiaires qui aura lieu le 30 novembre 2021. D'accord, ok. Monsieur Chekli, on a fait le tour sur les sciences. Il y a d'autres choses à ajouter? Il y a beaucoup de choses encore à ajouter. Donc, tout d'abord, je vous invite tous à consulter le programme de l'Institut français, la brochure spéciale Fête de la Science, disponible sur le site de l'Institut et sur nos réseaux sociaux. Également, j'ai oublié de vous parler du Fab Lab. L'inauguration sera prévue donc ce vendredi. Il y a encore un autre Fab Lab? C'est toujours le même, en fait. C'est toujours le même. L'inauguration officielle se fera avec les machines, les imprimantes 3D et tout ça. Exactement. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de réaliser des choses avec des machines numériques. Donc, une brodeuse 3D, une brodeuse numérique, une imprimante 3D. Voilà, un scanner au laser. C'est très intéressant, c'est très ludique. Pour les inscriptions, c'est sur le site du Réglab. Donc, www.lereglab.com. Et de toute façon, tout est sur nos réseaux et notre site internet. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Excellente journée à vous. Urban FM 104.5.